moi, Monsieur Eric. Je suis ici pour te partager une idée de bricolage, les marionnettes chaussettes. Oui, tu vas pouvoir les fabriquer. Excellent! On y va! Pour fabriquer tes marionnettes chaussettes, tu auras besoin des vieilles chaussettes trouées, idéalement. Aussi, tu vas avoir besoin de fils et d'aiguilles, ou peut-être que tu peux utiliser un pistolet à colle chaude sous la supervision d'un adulte. Le pistolet à colle chaude, ça va un peu plus vite pour coller les yeux qui sont des boutons. Ça pourrait être autre chose aussi. Alors, on est prêt à aller coudre nos boutons qui vont être les yeux de notre marionnette. J'ai choisi des boutons jaunes. Je prends mon fil et mon aiguille et puis je vais coudre les boutons en place. On se revoit quand c'est terminé. J'ai presque terminé de fixer le deuxième œil. L'important, c'est pas que ça soit parfait, mais c'est que ça tienne. Attention de ne pas piquer vos doigts. Bon, nos deux yeux sont accrochés avec du fil. On enfile la marionnette. On pousse le bout ici à l'intérieur pour faire la bouche. On a nos deux yeux. On peut se replacer comme il faut. On peut faire parler notre marionnette. Peut-être qu'on peut ajouter un bouton ici en avant pour faire le nez. C'est pas obligatoire. On pourrait ajouter d'autres accessoires, une moustache, des lunettes. Allez-y, c'est vous, c'est votre marionnette, votre créativité. Si on veut utiliser le pistolet à colle chaude, attention, c'est très chaud, ça fait mal aux doigts. Ça prend la supervision d'un adulte pour faire cette partie-là. On va mettre un peu de colle chaude. On va placer notre bouton. On attend quelques secondes. Une minute. C'est bon pour la patience. La colle chaude, ça va beaucoup plus vite, mais ça ne travaille pas la motricité comme le fil et l'aiguille. Maintenant, on a terminé nos marionnettes. On s'est fabriqué 4 marionnettes chaussettes. Il faudra leur trouver des noms. On pourra leur trouver des voix. Ça peut être des voix aiguës ou ça peut être des voix graves. Ça peut être toutes sortes de voix. Et puis après, on peut commencer à se raconter des histoires. Hey, salut! Allô? J'ai une devinette pour toi. Oh oui! J'adore les devinettes! Sais-tu quel animal est toujours de bonne humeur? Non, je sais pas. C'est la souris!